Hello, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir. Vous allez deviner. De toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo, mais admettons que vous ne l'avez pas regardé, vous êtes arrivé ici par hasard. Je pense que les quelques petites images là qui viennent de passer vous ont mis la puce à l'oreille en tout cas. Ring, le petit bruit spécifique à Sonic, donc le nouveau Sonic Frontiers. Donc nous, on va le découvrir sur PlayStation 5. Transférer puis la PlayStation 4, ok, langue, bon voilà, on va aller directement dans le vif du sujet. Je suis bien contente. Alors, ce jeu te permet de choisir le niveau de difficulté des combats. Tu peux aussi changer le niveau de difficulté pendant que tu joues. Parfait. Facile, normal, difficile. Hop! Alors, qu'est-ce que c'est? Une configuration qui correspond à ton style de jeu. Les paramètres peuvent être modifiés plus en détail à tout moment pendant la partie via options. Ce style est recommandé pour ceux qui n'ont pas l'habitude des jeux Sonic. Style haute vitesse, ce style est recommandé pour ceux qui ont l'habitude des jeux Sonic. On va partir là-dessus parce que alors moi, le dernier Sonic auquel j'ai joué, c'est... Oh là là, ça date. Mais alors, ça date, hein. J'avais découvert Sonic sur la Mega Drive. C'était mon premier jeu sur la Mega Drive, Sonic. Et je ne suis pas sûre... Ah si, 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 si. Oh, ouais, bon, bref, allez, c'est trop vieux. On va pas passer, on va regarder la cinématique, sinon c'est pas très intéressant. Le but c'est de découvrir. Hein. Robotnik? Du programme IA. Bon, il a corrompu quelque chose, lui, hein. Je vais découvrir les secrets des anciens. C'est trop beau. Rapport de situation. Réponds-moi. Simulation terminée. Protocole de protection initié. Quoi? Non! Non! Ça se passe pas comme tu l'avais souhaité. La team. On approche de Starfall Islands. J'ai trop hâte. Tu as traqué les Chaos Emeralds jusqu'ici. Cherchons ce qui a pu les attirer. Allez, du vrai, du bon Sonic là. Tam 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 tam. Hey, yes! Oh, c'est trop beau! Les textures là! Utilise L pour te déplacer. En fonction de la pression que tu exerces sur elle, Sonic peut marcher ou courir. Ok, appuie sur R2 pour une accélération dans la même direction que elle. Ouh! Ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite! Mon Dieu, ça va me donner le tournis tout ça. Oh, oh, ok. Oh la vache. Mais ça va beaucoup trop vite. Je
Ah, mais non! Comment on fait? Ah, mais non! Ah, merde, les piques! Ah, attends, comment je fais pour dire... Attends, c'est quoi, ça? Ah, ça va trop vite. Stop, ça va trop vite. Yes. Yes. Ok. Eh, mais va pas dans le vide! Oh là là, les commandes sont trop cheloues! Ça, c'est quoi, des points de sauvegarde? Ok. Utilise l'attaque téléguidée contre les ennemis en appuyant sur le carré lorsque le cibleur apparaît. Ben merci, je savais pas, moi. J'aurais bien aimé le savoir avant. Yes. Ouh, ben, ça change tout. Ah, mais ça va trop vite, on profite pas du tout, du tout. On joue plein de trucs, là. C'est du speedrun à fond, ça. Qu'est-ce que c'est? What? Ah, je suis arrivée. Ah, c'était trop rapide. Alors, donc, terminant avec un temps, de note S. Termine avec 150 rings. Trouve toutes les rings des Trolls Rouges. Ouais, et ben on n'a pas du tout fait, on n'a pas rempli tous les critères, hein. Ok, non, ben on va essayer d'avoir... Ah non, mais c'était ouf, 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 ouf. Moi, peu avoir l'habitude, hein. Ça n'a rien à voir, j'ose même pas imaginer si tu choisis le mode speed, là. Oh, au secours. Amy? Je crois que je suis le seul à être sorti de ce truc bizarre. Mortel. Salut. Tu as accompli l'impossible. Tu as réussi à sortir du cyberespace de ta propre puissance. Tu es la clé. La clé, hein? C'est toujours mieux que nuisible. Ça veut dire que je vais pouvoir sauver mes amis. Trouve les Chaos Emeralds. Détruis les titans. Déchire le tissu qui sépare les dimensions. Ok, d'accord. Je pourrais avoir un peu plus de détails. Ohé. Ben non, on va se débrouiller. Bon. On va dire que c'est un début. En route. Alors, examine les alentours. Utilise R pour faire pivoter la caméra. Trouve la voie à suivre. Appuie sur stick. Pavé directionnel gauche pour voir cette fenêtre. Ok. Les options te permettent de changer certains paramètres comme l'angle de caméra et les commandes de jeu. Si tu as la nausée, teste un angle de caméra plus large. Essaye de désactiver le flou, la rotation ou d'activer le curseur central. Ouais, bah là c'est clair que moi qui suis sujette à un petit peu de malaise quand ça va trop vite, quand ça change trop vite de direction, enfin, c'est ce qu'on appelle le motion sickness. Je vais y aller doucement. De toute façon, a priori... Il y a trois interrupteurs anciens en sol activés pour emporter des récompenses et déverrouiller une zone de la carte. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, on peut peut-être aussi peut-être quand même regarder un peu autour, quoi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, bah, j'ai bien fait d'aller regarder. Nice. C'est bon. Ah ouais, ouais, ça va être chaud, il va falloir que je règle 2-3 trucs, hein. Sinon moi, je vais pas supporter moi, mais si je m'en vais... Ah si, c'est parce qu'il faut que je le fasse vite, c'est ça? Ou dans un certain ordre. Qu'est-ce que c'est? Chronos Island. Compléter des défis révélera des segments de la carte. Une fois révélée, la carte aidera à trouver les gardiens, les portails et même des jetons souvenirs. Appuie sur le pavé là de la manette pour ouvrir la carte. Là. Ok.
On va prendre ça. J'ai pas trop capté à quoi ça servait pour le moment. Faut que j'aille par là, ok. Une notification apparaît quand Sonic est proche d'une nouveauté. Appuie sur le pavé directionnel bas quand la notification s'affiche. La croix directionnelle, pourquoi je dis pavé? Sur, pour pratiquer la technique dans les simulateurs ou pour recevoir un indice de ce qui attend Sonic. Appuie sur maintenant pour te rendre dans le simulateur. Ok. Attaque téléguidée. Ok. Quitte le simulateur en appuyant sur le pavé de la manette. Quand s'affiche le coin inférieur de l'écran, tic. Appuie sur le carré lorsque le curseur cible s'affiche pour effectuer une attaque téléguidée. Ben, du coup, c'est ce qu'on a vu enfin, on a vu. Je sais pas si on peut dire vu, ce qu'on a aperçu tout à l'heure. Attaque téléguidée. Ah, c'est très satisfaisant. Ramasse les objets au sol. Les ennemis vaincus lâchent une variété d'objets tels que des fragments de compétences et des graines. Rassemble des fragments de compétences pour les transformer en points de compétences affichés en bas à droite de l'écran. Ces derniers te permettront de déverrouiller des compétences pour renforcer Sonic. Ok. Côté RPG. Youpi youpi. Stop, stop, je retourne. Ben, c'est tout ça. Enfin, pour l'instant, parce que moi je suis pas patiente, je peux bras, je peux peut-être pas tout tout à chaque fois, mais... C'est joli, hein, franchement, ça gère, hein. Bon, des ennemis. Vous êtes pas... Ah d'accord. During. Ouais mais non. C'est bien mais ça va trop vite. On nous plaint très. qu'est-ce que c'est ça en bas? Ninja! Mini-boss, verrou le gardien et bat le, ou boss. Les gardiens sont très puissants, sont plus gros que les ennemis habituels et possèdent des attaques spéciales. Observe le mouvement là pour faire un point faible. Astuce, cible un ennemi et verrouille en appuyant sur R. Ok. Oh là! Ah oui, effectivement! Waouh, ouais, mais j'ai rien compris! Toutes les attaques peuvent être parées. Si Sonic est sur le point de subir une attaque, maintient. Mais vous avez... Il y a moyen que ça aille moins vite, là. Parce que, vraiment, hein... C'est beaucoup trop speed, vos trucs, là. Mais par contre, attendez, il faut que j'arrive à comprendre. Il y a plein de trucs partout, là. Ah, juste qu'elle est vite. Non, par là. Je vais prendre ça d'abord, tranquillement. J'ai pas pris ça. Oh.
Bon, bah, on va essayer ce truc, mais en essayant de comprendre ce qui se passe cette fois, parce que là, j'ai rien compris. Ok, ok. Mais vraiment, hein, j'ai rien compris, rien compris. En fait, oui, donc... Oh, faut que je garde des pièces, mais... Putain, il a une barre de vie de ouf, hein. Nanana. Donne-moi mes pièces. Enfin, mes pièces, mes anneaux. Il m'a touché. Ok, c'est bon. Ah, c'était très sympa comme combat. La première fois, j'ai rien compris ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai à peine eu le temps de me dire qu'est-ce qu'il faut faire, que j'étais morte. Mais ouais, sympa. Ah, j'aime beaucoup. Yes. Par contre, ça va tellement vite. Et puis ça tend dans tous les sens. Faut pas perdre le fil. Hein. Donc alors, du coup, je vais voir ce qu'il y a dans les caisses. Ouais. Non, j'avais pas l'intention de faire ça, moi. Mais cette blague. Ah, j'en vais pas aller là. Bon, ça va, le jeu, il est pas méchant. Nice. Attends, je retourne en arrière. Je vais louper ça. Il y a des trucs encore là-haut. Ouais. Mais je vais retomber. C'est ça qui m'ennuie. J'ai pas envie de retomber. Parce que je suis pas douée, j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas pigé. Bon, c'est pas grave. Peu importe. Qu'est-ce que c'est? La porte ancienne a l'air d'être fermée. Faites tourner la statue devant elle pour avancer. Ok. 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 Carré plus L. Ok. Bon, ça c'est pas bien méchant. Pour l'instant, petite énigme simple. Tout simple, il y a des bon. Ah, il y a plein de trucs là-haut là. Oh là 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 là, j'aime pas quand ça fait ça à la caméra, je vois pas, je vais retomber dans le vide. Eh ben voilà. Oh, c'est cruel ça. Oui, oui, mais ça je sais, merci d'avoir remarqué. Sonic peut maintenant apprendre la compétence course boucle. Va dans le menu des compétences pour la déverrouiller en utilisant les points de compétences indiqués en bas à droite. Alors, on va la dévoyer. Maintiens le triangle en déplacement court en laissant derrière toi un siège lumineux. Plusieurs effets peuvent s'activer lorsque tu dessines une boucle fermée. Ok. Pour l'instant, je peux... Bah tiens, sauvegarder. Il y a une sauvegarde auto, mais on va quand même... On va quand même sauvegarder. J'aime bien faire des sauvegardes manuelles. Ah oui, non, ça, non, ça n'a pas. Ok, retour. Retour. Voilà. Eh ben, écoutons, on s'arrête pour aujourd'hui.
petite vidéo découverte, bien sympa. On retrouve, je découvre des sensations complètement nouvelles, quoi. Sonic, c'était Speed, mais alors dis donc, ça fait vraiment bien longtemps que je n'ai pas fait de Sonic, hein, ça se sent, parce que là, je suis, j'ai le tournis. En tout cas, c'est bien cool, je suis super contente. Et ben voilà, écoutez, on va le continuer tranquillement. C'est super prometteur, hein, franchement. Super prometteur. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'en profite quand même pour remercier Sega et PlayOn qui m'ont fourni un exemplaire du jeu pour pouvoir le tester. Donc je les remercie infiniment. En plus, j'ai eu un beau steelbook avec. Royal, vraiment, grand merci à eux. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Ciao !